C'est Coach Adé, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a un petit peu changé les plans. Hier, on a dit qu'on allait prendre une plage privée, ce qu'on a fait. C'était un petit peu tout plein, un petit peu où on voulait aller de partout. Alors du coup, on a réservé un truc de ouf malade. On est sur la palme de Dubaï. Donc on est trop content parce que jusque là, on ne l'avait pas encore vu. Donc on va pouvoir voir les palmes. Il y en a deux, je pense qu'on n'en verra qu'une parce que honnêtement, elles sont vraiment loin. En distance, c'est vraiment loin. En revanche, on a pris une plage privée à côté de l'hôtel Atlantis. Enfin, c'est même la plage privée de l'hôtel Atlantis. Donc, ça va être juste splendide. Et aussi, il y a le parc d'attractions. Avec, en fait, dans le billet, c'est compris. On a un accès au parc d'attractions et à la plage privée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un grand jour, un beau jour. On va pouvoir s'amuser pour le jour numéro 6. Is she the one you've been waiting for? Is she the one? Is she the one you've been dreaming of? Is she the one? Ça y est, on est arrivé. C'est incroyable. C'est super joli. Et regarde un petit peu derrière moi. C'est grave beau. Et en fait, donc on a pris un accès au parc. Donc là, on va au parc. Ensuite, donc on va faire un tour de parc, on peut voir les dauphins, on peut voir les requins, on peut voir plein de choses dans ce parc, il est juste incroyable. Et là on va direction la plage pour récupérer des sièges entre guillemets, et se caler un petit moment. Tu peux manger également, il y a des restaurants de partout. Enfin c'est vraiment très très joli et c'est quand même un big parc aquatique, vraiment collé à Atlantis, vraiment dans le même... dans la même infrastructure, donc c'est vraiment superbe. Et voilà, je pense qu'on va passer une très très belle journée. Je t'emmène avec moi, regarde, il y a des spots pour faire des photos comme ça derrière, et c'est super joli. Enfin, c'est, je te filme un peu. Et voilà, et là donc c'est la plage privée, donc en face, là on est sur la palme, donc tout en haut de la palme. Là il y a les buildings en face, on les voit très très peu dans la brume. Et là voilà, ça c'est les plages privées avec les transats au fond, les restaurants, etc. Il y a encore des toboggans là-bas. Et en fait c'est tout l'infrastructure, c'est tout ici avec le superbe hôtel juste derrière Atlantis. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, tout le long, il y a des plages privées, voilà, et dans lesquelles on peut prendre un transat, se caler la journée, etc. Et c'est juste incroyable, super joli et super propre. Allez, on vient de se poser, on a pris des transats. Donc, on est trop bien, franchement, il n'y a pas grand monde, c'est trop, trop agréable. Et voilà, on est face à la mer, un petit peu sur le monde, la musique, l'hôtel splendide à côté. Le soleil plein, c'est vraiment le pied pour la journée 6. C'est vraiment, on est très très content de ce choix, de cette recommandation. Donc franchement, on essaye de profiter un max, de rester un petit peu tranquille et de bronzer surtout, parce qu'à Paris, il fait pas très beau, pas très chaud. Donc on est content d'être là et de profiter un max. Et je te filme de l'autre côté. Donc là, normalement, il y a des buildings en face, mais c'est un petit peu embrumé, du coup, on ne les voit pas. Là, c'est Sam, tout seul. Et ça, c'est la route par laquelle on arrive. Et ensuite, voilà, l'hôtel Atlantis. Et derrière, le parc. Donc, ça te fait ici le parc, là, la plage, et là, du coup, la mer. Et tout est artificiel ici, il y a même des vagues artificielles. Enfin, tout est vraiment fait sur mesure, c'est incroyable. Après voilà, hein, faut vraiment aimer, c'est pas naturel du tout, mais c'est splendide quoi. C'est vraiment magnifique. Regarde-moi ça comme on va être bien aujourd'hui.
C'est trop bien. Et regarde, même ici encore, les plages sont surveillées. Donc par un maître nageur, et également par la sécurité de l'hôtel et la sécurité du parc. Donc en fait, tu peux laisser tes affaires ici. Je dis pas que ça craint rien non plus, hein, mais en tout cas, tu peux laisser tes affaires ici. Il y aura quand même moins de risques. Voilà. Là, on peut voir les requins et c'est très très chouette. Il y a les requins, il y a des raies également, et c'est voilà le toboggan qui passe en dessous. En dessous de l'aquarium, donc c'est trop joli. Et en fait, le toboggan passe en dessous. En dessous, il y a un aquarium avec des requins, des raies, etc. Et c'est juste magnifique. Enfin, moi j'ai trop peur. Ouh, il y a un petit requin. Enfin, un petit requin. Ah, c'est trop beau. Il y en a un autre ici. C'est trop bien. Mais personnellement, je n'irai pas en dessous. J'ai trop trop peur. Mais je pense que c'est une attraction à faire si jamais tu n'as pas peur. Bon, on avait posé le téléphone. On a fait quelques attractions. Bah, c'était trop bien. Pas enfin, des attractions. Des manèges d'eau avec les bouées, on va dire. Et c'était vraiment, vraiment bien. Oui, des toboggans. C'était vraiment chouette. L'eau est, voilà, est tempérée, on va dire. Pour moi, elle est un peu froide, mais c'était vraiment, vraiment bien. Et voilà, ça nous a permis de découvrir plein de choses, plein de paysages, parce que il y a un petit circuit que tu peux faire en bouée à travers le parc qui passe dans énormément d'endroits du parc. Et du coup, tu découvres plein de jolis endroits superbes. Donc voilà, on est trop, trop contents. Là, on va aller se poser à la plage, manger aussi. Et voilà, et après on refera quelques attractions, je pense, profiter du soleil avant de rentrer. Allez, je te montre le parc. Donc ça, c'est les bouées qu'on a fait. En fait, tu vois, ça fait tout un circuit avec des pierres, de la roche, etc. Tu passes sous des grottes et tout avec des rapides. C'est trop bien, c'est trop trop bien. Et il n'y a pas de limite de taille parce que dans certains toboggans, il peut avoir des limites de taille. Mais ça, c'est vraiment familial pour tout le monde, donc c'est trop trop bien. Ensuite, on a fait cela, donc c'était trop bien. Ils sont vraiment très très chouettes. J'ai essayé de te montrer un maximum. Mince. En fait, ici, là, ça fait une grosse plateforme, tu tournes en bouée, tu redescends ici. Et c'est vraiment super bien. Enfin, c'est des attractions à faire en plusieurs, tu vois, donc... c'est vraiment un endroit, encore une fois, familial où tu peux venir à plusieurs ou même avec tes collègues et tu peux vraiment bien t'amuser ici. Oh, et là, on arrive où tu peux manger. Ça fait des petits kiosques. Il y a un grand restaurant aussi, hein, si tu veux manger au restaurant. Sinon, il y a des petits kiosques vite fait que tu peux prendre, manger sur place ou aller manger à la mer. Enfin, à la plage plutôt. Donc, on va manger là. Et... je pense que je vais prendre une pizza. Et voilà. Et regarde la statue comme elle est jolie en face. Elle est trop, trop belle. Enfin vraiment, dans ce village, ils ont vraiment pensé à tout. Et c'est vraiment très, très joli. Voilà, alors ça, c'est la petite margarita que j'ai pris qui font en forme de cône. J'ai vu que ici pour l'instant. Et des petites frites. Ici, tu peux manger, je pense, pour... pas très cher, pour 10 à 15 euros par personne. Bien sûr, tu as d'autres restaurants où tu peux manger pour plus cher, mais ça reste un petit peu les prix français dans cette infrastructure ici. Ça reste pas trop cher. Enjoy. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est l'heure du départ. Ça ferme à 18h le parc et là il est 5h30 passé. On va aller chercher un taxi et on va rentrer tranquillement. Je vais faire un dernier tour de parc. Je vais t'emmener avec moi. Je vais faire un grand, grand tour. Franchement, il y a plusieurs espaces. Il y a un espace enfant très, très petit. J'irai entre 0 et 3 ans. Tu peux faire plein de choses avec, bah, avec ton petit. C'est hyper surveillé. Tous les mètres carrés, hein, pour le niveau enfant, on va dire. Tous les mètres carrés, c'est surveillé, c'est incroyable. Après, il y a des choses plus pour les ados. Vraiment comme un centre, vraiment comme un parc d'attractions, hein, vraiment un petit peu plus ados. Et ensuite, pour les adultes. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait.
Je t'emmène, je te fais faire le dernier petit tour. Donc là, c'est des rapides où tu as besoin d'avoir un gilet de sauvetage comme les gens là. Et en fait, tu te lances ici et tu fais tout le tour en nageant. Bien sûr, il y a des courants plus ou moins forts. Et voilà, ça te fait faire le tour du parc. Et ça, c'est pour tout âge. Tout le monde peut le faire. Accompagner, bien sûr, les enfants. Mais sinon, c'est vraiment pour tout âge. Et à côté, là, tous les transats de part et d'autre. Et bien sûr, des palmiers de partout. C'est vraiment un chouette parc. Vraiment, vraiment. Et très propre, encore une fois. Un lieu très, très propre qu'on a visité. Donc, vraiment, rien à redire sur ça. Trop top. Là, je sais pas si tu vois ou si tu entends. En tout cas, on dirait qu'il y a un monstre qui va sortir de la porte. C'est fou. Et ensuite, juste derrière, tu as les grands toboggans. Donc, fait pour tous. C'est vraiment, là, c'est vraiment fait pour tous. Il y a les petites navettes pour les gens de l'hôtel. Et autres, je pense. Là, il y a les grands toboggans pour tout le monde. Et en fait, ça marche par... par espace, il y a des noms, tu as une carte vraiment pour te repérer comme dans n'importe quel parc d'attraction. Et ensuite tu vas dans la zone où tu veux aller en fonction de ton âge, de ce que tu veux faire, etc. Et voilà, tu peux tout faire, c'est trop bien. Le parc est ouvert tous les jours de 10h du matin à 18h le soir. Et voilà, c'est trop trop bien, c'est trop chouette. C'est un endroit qu'il faut faire quand il fait très très chaud. J'ai oublié de dire que on y avait la possibilité de voir des otaries. Il y a un spectacle d'otaries, il y a des spectacles de dauphins. Tu peux également nager avec les dauphins dans ce parc. Tu peux manger en compagnie des requins. Tu peux manger, il y a un tunnel en dessous en fait. Et tu peux manger avec eux, visiter. Il y a un big aquarium également. Enfin vraiment, ce parc est vraiment très très complet. Tu peux rester largement une journée et pas t'ennuyer quoi. On est de retour à l'hôtel avec plein de couleurs. On a pris le temps de manger aussi en bas. Le buffet était à volonté donc on a bien mangé. Et là on est rentré faire les sacs. C'est pas la partie la plus cool du voyage vraiment. Mais bon, on a passé une sacrée bonne journée au parc aquatique. Au parc aquatique, pardon, Atlantis. Donc, c'était vraiment trop, trop bien. Franchement, tous ceux qui veulent le faire, faites-le. C'est vraiment un très, très beau parc aquatique. Ça change. Il y a plein de belles choses. Après, le point, on va dire, un petit peu plus gênant, c'est l'organisation à la fin pour les taxis, pour rentrer dans les hôtels. Nous, on était un petit peu loin. Et en fait, c'était un petit peu la galère pour prendre le taxi, l'organisation, c'est pas toujours au top, il y a beaucoup d'attentes ou quoi. Mais en tout cas, hormis ça, c'est vraiment un hyper beau parc à faire si tu veux venir à Dubaï. Et il y a même sa plage gratuite, on va dire, gratuite et privée qui va avec. Donc franchement, vraiment, vraiment top. Maintenant, on va faire les sacs. C'est horrible de se dire que c'est déjà fini, ça passe trop vite, ça passe vraiment trop trop vite. Après bon, on n'avait pas tout déballé non plus dans la chambre, mais j'avoue qu'on en a mis un petit peu quand même partout. Donc il faut tout rassembler les affaires et surtout rassembler tous les papiers, que ce soit les
tests PCR Covid. Ils sont venus les faire hier à l'hôtel. Donc ça, c'est super bien parce que maintenant, c'est les infirmiers qui se déplacent à l'hôtel. Du coup, c'est pas toi qui dois courir les laboratoires du pays. En plus, en général, tu connais pas le pays dans lequel tu es. Donc c'est vraiment trop, trop bien. Bref, on a récupéré presque tous les papiers. Et ça y est, on va repartir en France, ça va être horrible. On a une journée de transport, d'avion, etc., de navette. Donc j'espère que ça va le faire, que ce sera moins pire qu'à l'aller. Je croise les doigts. En tout cas, demain, je t'emmène avec moi pour rentrer en France. Je te dis à demain dans une nouvelle vidéo pour le départ.